लेसन फाइव ले मीडिया पेज नंबर 44 एंड 45 ल रेडियो ल टेलीविजन ए ल प्रेस ए क्रिक कंस्टिट्यू ले मीडिया रेडियो टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स कंस्टिट्यूट द मीडिया ले मीडिया नु दून दे नुवेल ए इन्फ्लुएंस द ओपिनियन पब्लिक द मीडियाज गिव अस द न्यूज एंड influence the public opinion. En France, il y a des chaînes de radio comme Europe 1, RFI, France Music Radio, etc. In France, there are channels of radio like Europe 1, RFI, France Music Radio, etc. Il y existe aussi de diverses chaînes de télévision publiques ou privées comme Canal Plus, France 2, TFE Paris Premier. There are also various channels of TV, public or private, like Canal Plus, France 2, TFI, Paris Premier. À toi, complète le tableau avec les mots suivants. Auditeur, station, FM, publicité, Jappé, téléfilm, téléspectateur, présentateur, interview, émission, information, chaîne, réseau public. Concerne la radio. So here, auditeur, station, and FM are related to the radio. Concerne la télévision, TV related, Jappé, which means changing the channel, then téléfilm, then téléspectateur, émission, and Réseau public. They relate to TV. Concerned the do. They are related to both. So, publicité. Then, présentateur. Then, interview. Then, information, then émission, then chaîne. Now, next question, répond. Nomme quelques chaînes de télévision en France. So, Paris Premier. Canal Plus, France 2, TFE. Then, nomme quelques chaînes de radio en France. Answer, Europe 1, RFI. France, Music Radio, etc. Now, page 46. Lis le dialogue. Pauline, quel journal achètes-tu? Which newspaper do you buy? Danny. Le Monde. Pauline, quelle rubrique lis-tu? Which heading do you read? Moi, je lis le sport. I read the sport. Pauline, moi, la politique étrangère. I, the foreign politics.
Now, so observe. A journal, newspaper, Le Monde, the Times of India, Son de Journaux Quotidien. These two are daily newspapers. A magazine, L'Express, et un magazine hebdomadaire. Hebdomadaire means weekly. A Reader's Digest, et un magazine mensuel. Mensuel means monthly. Une revue, Le Français de Le Monde, et une revue. This is language review. Now, à toi. Je révise ce que je viens d'apprendre. Choisis la bonne réponse. Je me suis abonné à un lecteur en dessin une review. Abonné means to subscribe to. So, of course, une review. La nouvelle est dans le numéro, dans l'image, dans les journaux. The news is in the newspaper. On achète les journaux chez le marchand de journal, à la piscine, au restaurant. Of course, chez le marchand de journal. Un hebdomadaire paraît une fois par mois. Paraît means paraître, which means to be published. Hebdomadaire means weekly. So, of course, answer will be semaine. Une chaîne française est TFI, Le Monde, Star Plus. Of course, TFI. Next one. Devine ce dont on parle. You have to guess about what one is speaking. Un journal qu'on achète tous les jours. A newspaper that one buys every day. So that is un quotidien. Next one. C'est là qu'on achète le journal. So here, c'est là qu'on achète le journal means the place where we buy the newspaper. So answer should be un kiosque à journaux. Also, another possibility is there. Chez le marchand de journal. Celui qui lit un journal. Un lecteur. The one who reads the newspaper is reader. Celui qui écrit des articles pour un journal. The one who writes articles for the newspaper. Un journaliste. Un magazine qui paraît tous les mois. A magazine that is published every month. So, un mensuel. Next one. Chasse l'intrus. Le Monde, Le Figaro, L'Express, Le Libération. This is weekly. Others are daily newspapers. Next one. Le fait divers, la météo, le quotidien, la culture. Here, le quotidien is audible out. TFI, France 2, Canal Plus, Europe. Europe is audible out. Le présentateur, le feuilleton, les actualités, la publicité. Here, le présentateur is audible out. And next one, un journal, un quotidien, un hebdomadaire. Here, un journal. Next one, complete le message avec te, accompagné, urgent. Kancha, je suis venu te voir. À 17h, je prends un train de minuit pour aller en Suisse. C'est urgent. Demain, je ne pourrai pas te accompagner au concert. Désolé, Nani. Changer au négatif. Akanksha a des lettres à écrire avant de partir. Here, this
they will become the. So answer will be na, pa, the, and rest you can copy. Unal a yun grand vathur kom samvaja. Here we will put an apostrophe a, pa, and then yun will change to the. Rest will remain same. Il rest sank moa a pari. Here before rest we put na. Na rest and pa. Je veux le voir le jour de mon anniversaire. Here before this verb, je ne veux pas then le voir le jour de mon anniversaire. Elle voit du café juste avant de dormir. Here before voir we put ne then voir and pa and du will become the. Rest will be copied. Question number 6. Complete avec Y ou A. Es-tu allé en France cet été? Here, en France will be replaced by Y. So answer will be oui, j'y suis allé. Next one. Paul, a-t-il acheté des légumes au marché? So here, oui. This will become IN and this will become Y. If we want to put both, il, I, a, acheté. As-tu mis tes livres dans le sac? Dans le sac will become Y. Je n'ai pas mis les livres. Est-il sorti du restaurant? Here, this will become IN, il, en est sorti. As-tu pensé? A tes projets d'avenir? Here, a tes projets d'avenir will be replaced by Y. Je n'y ai pas pensé. Thank you.